Coucou. Coucou la rediff. Attends, bouge pas. Voilà. Oh, à partir du 4 décembre, il y aura le Ronflex Gigantamax apparemment. Enfin, Gigamax. Ah, Gigantamax, c'est en anglais. Cool. Ouais. Donc, ouais, donc coucou YouTube. On va continuer à tabasser des Pokémon. Parce qu'on est des gens bien. Bah, tournicoton. Du coup, ça y est, Kiki et moi, on a fini la tour de combat. Enfin, Kiki vient tout juste de finir à l'instant. Et moi, j'ai fini cette nuit à 3h du... Non, 4h du matin parce que Kiki m'avait empêché d'aller me coucher. Bah, il y a encore la dernière chute de combat à faire. Ouais, mais t'as rien à y gagner, en fait. Ah. Mais genre, vraiment, hein. Enfin, tu peux aller checker, hein, mais tu verras, y a rien, en fait. Il y a juste rien. Mais au cinquième combat, tu peux gagner une capsule or. C'est sympa. Ouais. Mais j'ai dit tu peux parce que moi je suis tombé dessus, mais je me demande si c'est pas un truc aléatoire. Enfin, genre une récompense aléatoire. Parce que la deuxième fois que j'y suis allé, j'avais récupéré un truc tout claqué du coup. Bah oui. Alors, la fameuse notification au début du stream. Ouais, défonçage du tourne coton. Là, c'est rigolo de savoir à qui on est. Je sais pas. Tu dois être près de 300 là, non? Oula! Ah ouais, effectivement, t'as bien raté le stream d'hier, toi. Hein. Je confirme. Hein. Non, à mon avis, on est à 530. 518. Ah, je suis quand même plus proche. Hein. Ah, pas de beaucoup. Ouais, pas de beaucoup. Ouais. Allez, je vais retirer le cri des Pokémon, on est d'accord. Hein. Oui. Non, bah, j'ai déjà mal au crâne. Alors, j'ai remis le cri parce que du coup, dans un tour de combat, j'aime bien. Voilà. Enfin, j'aime bien entendre le cri des Pokémon, le, cri des enfin, le bruit des attaques et tout. Mais là, on va redésactiver. Hein. Je veux pas d'attaque, je veux pas de trucs, je veux pas de son, je veux rien. Hop. Ah. Est-ce qu'on a ces effets sonores? Non, hein, on laisse juste la musique comme hier, c'était cool hier. Ah oui, alors du coup, mercredi, enfin aujourd'hui c'est mercredi, j'ai lancé le stream à 15h parce que j'avais pas envie de streamer ce soir. Je vais streamer maintenant. Mais en vrai c'est cool l'histoire des raids promotionnels qui sont de temps en temps là. L'histoire du Ronflex en l'occurrence. Sympa. Ouais. Après, quand ils sortent de temps en temps, tu veux dire que c'est juste le 4 ou c'est à partir du 4? C'est du 4 jusqu'à janvier. Ah ouais, oh, c'est dommage. Non, c'est bien. C'est avec un peu de chance, le 4, ils n'auront pas corrigé le bug qui permet d'avoir le raid qu'on veut. D'ailleurs, pour information, donc il y a un Américain, j'ai oublié son nom, Austin je ne sais plus quoi. Donc il fait des vidéos très, très poussées en fait sur la mécanique de ce jeu. Et qui s'est amusé à calculer les taux de capture des Pokémon. Des raids. Ah. J'ai une bonne nouvelle. Si tu fais le raid un raid 5 étoiles en solo avec des PNJ, t'es sur à 100% de capture de Pokémon à la fin. Ouais, mais c'est compliqué. Hein. Mais faut réussir à tuer le Pokémon en 3 tours parce que sinon, bah...
bah ton équipe se fait. Mais ils te font sweep quoi, comme des grosses merdes. Ce qui est assez agaçant, hein, faut le dire. Non, vraiment, les PNJ, par contre, ils auraient pu faire un effort. Non, parce que le Magikarp Hydrocanon ou le putain de Solarok Force Cosmique. Ah, il m'a rendu dingue celui-là. Hein. Effectivement. Force Cosmique Polyrush, New Meta. Et le pire, c'est que. Enfin, qu'il lance une fois ou deux fois Force Cosmique, ça change pas grand-chose parce qu'au final, bah, il va quand même se faire double shot, quoi. Parce que bah Solarok, c'est quand même un Pokémon de merde. Il va prendre cher le Solarok. Et du coup, tu pars sur quoi là, Monsieur Kiki? Je sais pas, je suis un petit peu perdu là. Je regarde les attaques que mes deux Pokémon Strat peuvent apprendre. Alors, tes deux Pokémon Strat, t'es deux Pokémon Strat ou t'es deux Pokémon de farm? Pas pareil. Bah ils sont strat. Non. Ils ont ils ont des bons IV, tu auras mis la bonne nature, mais enfin, tu vas pas. Enfin, c'est pas du strat. Parce que, enfin, leur move pool que tu auras mis, c'est pas du strat. Ah si. Non. Mais si, il a parfaitement le move pool strat. C'est vrai. Bon bah alors je te défie. Deux Pokémon versus deux Pokémon. Non. Dans live. Qu'est-ce qu'il y a? Dans live. Ah, ok. Tu sais que ma chienne a recommencé à pisser, à repisser cette nuit en fait. Ah. Effroyable. Genre vraiment, genre elle pisse une première fois, donc du coup bah, ce que je fais c'est que je fous du sopalin dessus et puis je me dis bah fuck it, il était. Bah, il était 4h du matin, hein. Fuck it, je nettoie ça en me levant tout à l'heure et puis basta. Et là, je me lève. Quelle ne fut pas ma surprise en découvrant une nouvelle flaque qu'avait popé dans la nuit. Ah. Je sais vraiment pas quoi faire, sans déconner. Je sais qu'elle osera jamais pisser dans ma chambre. Le truc, c'est que j'ai pas envie que ma chienne dorme toutes les nuits avec moi. Pourquoi? Parce qu'elle a rien à foutre dans ma chambre. Je veux dire, ma chambre, c'est mon endroit privé. Ah oui. Après, qu'elle vienne ici en journée, même, tu vois, tu sais quoi, même qu'elle aille sur mon lit en journée, ça, franchement, ça me dérange pas. Tant que je suis là pour lui dire que c'est bon. Mais non, parce que quand elle rentre de balade, qu'elle est pas trempée et qu'elle cherche à monter sur mon lit, bon, j'avoue, je suis pas très chaud. Mais par contre, hors de question qu'elle soit là la nuit, quoi. En plus, elle fait des bruits horribles, elle fait sa toilette la nuit. Et j'aime pas entendre des qui me réveillent en plein milieu de la nuit. Effectivement, c'est un petit peu lourd. Ouais, bah en fait, disons que quand ça arrive, j'ai juste envie de balancer mon oreille à la gueule. Après, je sais qu'elle fait juste sa toilette, je veux dire, elle fait rien de mal en soi, mais enfin, je veux dire, c'est pas un bruit que t'as envie d'entendre la nuit, quoi. Et puis, je te dis qu'elle osera pas pisser ou chier dans la chambre, mais. Ouais, si elle y est tout le temps, elle va peut-être oser après. Voilà, c'est ça, au bout d'un moment, elle va peut-être se dire qu'elle peut. Mais, autre chose, donc du coup, je me suis énormément encore une fois renseigné sur. Enfin, cette nuit, je me suis encore bouffé pas mal de documentation à ce sujet. Et un truc que j'ai lu, c'est ouais, non, ça sert à rien de foutre le chien devant sa connerie, il s'en souviendra pas. Même si vous lui foutez dedans, du coup, il s'en souviendra pas et tout, il comprendra pas. C'est faux, j'ai jamais vu une telle merde, sans déconner. Parce que ce matin, je suis juste rentré dans la pièce, la chienne m'a regardé en mode j'ai fait une connerie. C'est faux, les chiens savent quand ils ont fait une connerie. Ouais. La chienne de dessous, si tu lui dis qu'est-ce que t'as fait, quand elle a fait une connerie, elle va aller se cacher sous la table, et quand elle a pas fait de connerie, elle va venir te voir toute contente. D'accord. Bah ouais, tu vois.
Ouais, mais la chienne de dessous, elle est spéciale, elle a été dressée à l'éponge. Hein. À l'éponge. C'est-à-dire qu'elle a peur des éponges maintenant, c'est ça? Oui. Ok. Je connais la strat. Enfin, on m'avait parlé de la strat journal, mais effectivement, l'éponge, ça va marcher aussi. En fait, la strat du journal, en fait, ça consiste juste à. Bon, à tabasser ton chien à coup de journal, mais bon, on parle d'un journal, hein, je veux dire, ça, enfin, on parle pas d'annuaire, hein, on parle d'un papier, quoi. Hein. Et en fait, c'est pas le fait de taper le chien avec qui l'aime pas, en fait. C'est le bruit, en fait. En fait, ce qui va choquer, entre guillemets, le chien, en fait, c'est le bruit qui va faire le journal. Les chiens n'aiment pas le bruit du journal pour une raison qui m'échappe totalement. Mais ce qui est très pratique, ou les sacs plastiques. Tu sais, les sacs plastiques, enfin bon, maintenant, il y en a beaucoup moins maintenant qui sont vendus, mais... À une époque, t'avais des sacs plastiques, tu sais, alors. C'était un plastique spécial, mais c'était au casino. Quand t'allais au casino, t'avais ces sacs-là, ils te filaient ces sacs-là pour emballer tes courses. C'est des sacs, genre vraiment, enfin. C'est des sacs plutôt costauds, et qui font pas mal de bruit. Et ça, je peux te dire, les chiens, ils aiment pas du tout. Je sais pas, je vais jamais au casino. Plus maintenant, parce que maintenant, il y a eu la loi en petit poche plastique. Hein. Oui, j'ai 10 poches et je vous emmerde. Je vais peut-être tenter les combats du haut, du coup. Avec quel Pokémon? Bah, pas eux, du coup, parce qu'ils attaquent... Faudrait que je trouve des Pokémon qui attaquent sur les deux Pokémon en face. Éboulement, éclat magique... Évite séisme, ça a tendance un petit peu à défoncer ton équipe. Sauf si tu es vraiment que des Pokémon vol avec séisme, c'est peut-être rigolo. Enfin, quoi que tu me diras, maintenant avec 400 Pokémon, c'est peut-être compliqué de trouver plein de Pokémon vol qui peuvent apprendre séisme. Peut-être que j'aurai des récompenses aussi, peut-être. Enfin, sûrement. Ah oui, c'est sûr et certain que tu auras des récompenses. Oh, je vais commencer par la strat bourrin. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je vais mettre les deux légendaires en premier. Ouais. Mon avis, je vais pouvoir monter quelques levels comme ça. Ah, il faut plus de 3 Pokémon. Ça doit être oui, il en faut 4. Question, est-ce que c'est une strat viable? Genre, donc du coup, tu prends un métamorphe dans ton équipe, tu te buffes avec. Tu te places avec un Pokémon, t'envoies ton métamorphe et tu fais morphique sur ton Pokémon qui est placé, et du coup, tu fais. T'as deux Pokémon bien pétés avec les boosts. Ça se fait? Je sais pas si ça se fait, mais. Ça a l'air sympa. J'y avais pas pensé, mais. En tout cas, le Ronflex G-Max a l'air cool. Je crois qu'il a une forêt sur le bide. Ça fait tellement longtemps qu'il dort qu'il y a une forêt qui a poussé sur son ventre. Ouais, je trouve ça mignon. Tu t'es spoil son Shiny à lui? À qui? À Tournicoton. Pas du tout. Je crois qu'il a les cheveux bleus. Au lieu des trous. Je sais plus. Ah. Non, moi je me suis pas spoil. Je verrai quand tu l'auras du coup. Non, en vrai j'ai un doute parce que j'ai regardé il y a quoi, il y a 3-4 jours. J'ai regardé à l'arrache. Bah tu sais, c'était. Bon bah maintenant chasse quoi. C'est limite, t'es tombé dessus par hasard et puis. Ouais, ça a l'air bien, il y en a plein qui spawn, c'est cool. C'est dans la même route que là où j'ai eu des Charby. Bon, par contre, j'aimerais vraiment qu'il tombe rapidement histoire qu'on puisse commencer la nouvelle chasse. T'as déjà prévu qui c'était? Bah oui, je te l'ai dit, c'est Mini-Ange. Ah bah oui, effectivement.
Et du coup, vu que j'ai fini la tour de combat et que j'ai plein d'items pour buffer, bah le mini-disange en fait, je vais juste le rendre au strat en fait, c'est, ça va être cool. Bah tant qu'on peut rendre strat et un Pokémon tout claqué, j'aurai un Corvaeus strat, sa shiny. Cool. Après il pourra pas gigamaxer, c'est dommage. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, l'argent du beurre. Et tu sais comment faire pour qu'il ait pression et pas tension? Oui, bien sûr. Tu connais Pilu Talent? Oui, oui. Ben oui. Voilà. Oui, effectivement, oui. Ok. Qu'est-ce je peux te spoil les Pokémon qui ont un combat double? Ah bah je suis sûr qu'il y a des strats de pute hein. Ah bah je sais pas mais là il commence Darumacho Netram. Autant le Netram ça va, autant le Darumacho, fais gaffe, ça a tendance à taper un peu fort ce Pokémon. Il me fait peur. Je le sais, j'en ai vu un hier, il a bien éclaté des Pokémon qui pourtant étaient légendaires, donc avec des stats bah, de légendaires quoi. Ah bah je l'ai one shot. Ah oui mais par contre j'ai jamais dit qu'il avait une grosse défense hein. Et du coup tu fais Eternatus Zamazenta là c'est ça? Ouais. Ouais. Non tu sais ce que je vais faire? Ce sera plus intelligent. Non. Dès que j'ai le tournicoton. Je me crée un nouveau profil pour faire l'aventure en japonais. Ou non, pas en japonais, dans une autre langue. Je sais pas encore dans quelle langue, mais dans une autre langue. Et comme ça, on pourra avoir nos métamorphes avec plein d'IV qui sont cool. Enfin, qui seront un peu chiants à capturer, puisque du coup, il faudra les capturer à la Pokéball, mais bon, on va rien dire. Pourquoi la Pokéball? Parce que j'aurai que des Pokéballs. Ah oui. Bah oui. Ouais. Bah ouais. Par contre, premier tour, Netram triple attaque qui gèle Eternatus. Super. Bah la base. C'est mieux que les shoots qui paralysent ton Pokémon alors qu'il y a 4 fois le level de différence quoi. Non, 7 fois le level de différence du coup, puisqu'il est même pas level 20 le Zigzagoon. Ah, Kiki est en pleine déprime. Non. Si, t'as fait un... Ouais. Je respire, c'est tout. Tu oses respirer en ma présence? Oui. Comment peux-tu oser? Si j'avais décidé de pas respirer, on serait pas resté amis longtemps, hein, du coup. Hein. C'est clair. D'ailleurs, tu savais que tu pouvais pas te tuer en... Oui, alors on part sur des trucs rigolos. Tu sais que tu peux pas te tuer en arrêtant de respirer. Je sais. Parce que quand tu vas tomber dans les pommes, ton corps il va automatiquement faire « Oh fuck it, vas-y je respire, je vois pas pourquoi je me retiendrai. » Oui voilà, c'était l'information inutile, mais bon bah maintenant vous le savez. Maintenant, tous ceux qui veulent faire peur à leurs parents, ils vont faire ça. Ouais, alors, je dis pas que c'est une bonne idée non plus, hein.
J'ai appris Bomber qui à la place de Plécroix. Plécroix, non, Croix Poison. Croix Poison, ouais, ok. Bah écoute, ouais, ça me semble être une bonne idée. Et c'est Croison. Poison Croix, hein, je crois. Bon, ouais, peut-être. Oui. Allez, on est parti pour balancer des close combats sur des Pokémon level 13. Les pauvres. Ouais, mais c'est de leur faute, ils sont pas shiny aussi. S'ils sont pas différents, moi je les veux pas. Hein. Ok, j'ai 4 tours pour finir. Comment ça, 4 tours pour finir? Il m'a mis une malédiction. Ah yes, est-ce que tu vas passer une bonne game? Non. Est-ce que tu vas perdre sur le premier combat? Non, ça risque pas puisque je suis au deuxième. Parce que quoi? Je suis au deuxième combat. Ouais. Tu cheats aussi? Je cheat pas, j'avance. Oh, le bizarre way utilise un prix. Elle est morte autour du coton. Assassin. Alors, je ne suis pas un assassin, je suis un libérateur. Parce que là, ils souffrent tous. Ils souffrent pas? Pourquoi ils souffriraient? Parce que the winter is coming. Et qu'après, ils vont geler. Donc en soi, le fait de les tuer maintenant, ça abrège leur souffrance. La logique. Je suis un libérateur, je te dis. Eh, hey, on a bien dit que tu votais pour moi pour les prochaines présidentielles. Hein? Je savais même pas que tu te présentais. Mais si, on avait dit quand il y avait dessous. Et que tu devais voter pour moi. Moi, je suis l'homme qui accepte d'abréger souffrance de ceux qui souffrent. Ouais, non, je vais pas voter pour toi. Mais si! Parce que je fais partie de ceux, des gens qui seraient achevés, je pense. Oui! T'as tout compris! C'est pour ça, non, je suis pas chaud pour voter pour toi. T'as besoin d'aller voir un médecin parce que t'es malade? Pas de problème, on va s'occuper de toi. Tu vas aux urgences parce que tu t'es coupé le doigt? T'inquiète, je gère. Quand même, juste parce qu'il s'est coupé le doigt. Un être cher est mort il y a pas longtemps et t'as du mal à surmonter? T'inquiète, je vais t'aider à le rejoindre. Oula! Je suis un bon président! Votez pour moi! Jacques Manta 2020? 2021? C'est quand les prochaines élections présidentielles? Oui, je m'emballe un peu les couilles. Hein? 22? En 2022? Ouah, la vache, c'est dans longtemps. Bon, je sais plus. Ça fait combien de temps qu'on se tape Macron? 2-3 ans, peut-être. Ouais, donc dans 1 ou 2 ans, c'est fini. Ouais, 2020. Sûrement. Donc c'est 2020. On passe 2021, ça me dit rien. Non, c'est pas 2020 parce que c'est pas la date précise. Bon, alors. Prochaine élection présidentielle. Présidentielle en 2022. Et le précédent vote était en avril-mai 2017. Ouais, c'est pas... Ouais, c'est dans longtemps. J'ai gagné contre le deuxième. GG. J'ai réussi à briser la malédiction. Ah non, il est mort.
Oui, t'as brisé la malédiction en le tuant. Non, je l'ai pas tué, il est décédé tout seul, comme un grand. Et tu vois, il s'est infligé des dégâts avec la malédiction, et t'as décidé d'abréger ses souffrances. Et franchement, je te comprends, Kiki. C'est comme ça qu'il faut agir. J'ai pas décidé d'abréger ses souffrances, il est mort. Il est mort de quoi? De la malédiction. Attends, il t'a refait malédiction derrière? Ben non, mais malédiction, c'est... Ah, lui! Oui, lui. Oui, lui, je l'ai tué, oui, effectivement. Ah, voilà, donc t'es un monstre. Je veux dire, non, tu l'as libéré. Faudrait se décider, hein. Je suis un monstre ou je l'ai libéré? Tu es un monstre, mais tu as libéré. Je suis un monstre libérateur. Exactement. Oh non, un con bah, combat. Ça. Mais par contre, on est d'accord pour dire que tous les gars qui utilisent malédiction, cognobidon bidon et des attaques qui infligent des Pokémon, enfin des dégâts à son propre Pokémon, on est d'accord que ces gars-là sont des mauvais dresseurs, je veux dire, c'est des monstres. Ouais, il n'y a pas de bon ou de mauvais dresseurs. Ouais, enfin quand même, c'est pas très très chanté. Hé, hey, tu pourrais pas te taper, s'il te plaît? Coup de main sur le concombaf, d'accord. Non mais on sait jamais. Le concombaf, là, il va te lancer une attaque, il va te one-shot. Alors j'ai une question, j'ai tué le Pokémon qui avait fait coup de main, est-ce que le coup de main marche? Je crois, ouais. Mais dans tous les cas, crains pas grand-chose, c'est un putain de concombaf, il va te faire quoi? Je sais pas. Il a fait quoi? Ça va être son tour à attaquer, là. Ah. Ah, déjà, il a quelques... Ok. Coup de main sur une protect. Wouhou! Oui, voilà, tu vois, je te l'avais dit, c'est... Enfin, les strats des PNJ, des fois... Il y a trois fois plus de protection. C'est pas... Ça donne pas plus 2, hein. C'est genre plus 1 seulement. Enfin, une protect. C'est... Enfin, le coup de main, c'est pas incroyable, hein. Bah, certaines fois, c'est mieux que d'attaquer. Ouais. Le barbe à popo, tu préfères pas qu'il attaque. Il fait super mal avec pouvoir lunaire. Hein. Et tu peux rigoler, mais je suis sérieux. Hein. Non, je rigole pas. Si tu le dis, c'est que c'est vrai. Bah, pour le coup, oui. Il tape. Il est très fort en soutien, mais il peut aussi taper. Je veux dire, tous les Pokémon peuvent taper en soi, sauf que Butoke, mais lui, c'est parce qu'il a eu un accident à la naissance. Oh, je peux plus manger de baies. Ah, et un Corvallus? Non, une Apirène. Apirène, attention. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais en plein combat, ils ont décidé de refaire leurs effets, les Pokémon. Comment ça? Eternatus a fait la pression et Choupichou a repris un level de défense. What the fuck? Je me suis dit, tiens, j'ai cliqué trop vite et puis j'ai passé un combat, mais non, il y a qu'un Pokémon en face parce que c'est j'en ai déjà tué 3. D'accord. Ouais. Il y a peut-être eu un talent qui a été, ou une attaque qui a été utilisée là, non? Oui, peut-être, mais j'étais en train de cliquer en regardant l'écran de la tête. C'est dommage parce que ce serait fort. J'aimerais bien qu'on ait une petite attaque pour l'apprendre à mon duo et du coup que mon Zacian il ait un plus de tout seul. Il y avait un Smogogo et un Cocombaf sur le champ de bataille, si ça peut t'aider. C'est peut-être le talent de Smogogo. Je sais qu'il a un talent bizarre, je sais pas ce qu'il fait, je me suis pas encore renseigné dessus. Tu veux que je regarde? Ouais, lui, s'il te plaît, c'est cool. Mmh.
c'est RP Indicator ou un truc comme ça. Ah, si un Pokémon avec gaz inhibiteur est sur le terrain, les effets des talents de tous les autres Pokémon sont annulés. Et du coup, quand il repart, ça refait l'effet? Ouais. Ah putain, mais c'est trop fort! Parce que ça a pas annulé ton up de stats, du coup. Bah, ça a annulé le premier, du coup, donc... Non, c'est... ça l'a pas annulé! C'est ça qui est ah fort. Bah oui, il est arrivé après, oui. Bah oui. Ah, mais c'est pas mal, en fait, ce Bogo de Galar, pour aider tes ennemis. Bah pas que tes ennemis, hein, si tu fais en combat double Smogogo et les Zacian. Ouais. Et tu fais Smogogo explosion au premier tour. Pour l'instant, ton Zacian il fait dans Slam. Il y a des strats. Il y a des strats à faire. Je suis sur Nicoton. Oh putain, tu le butes, ok. Oh putain, il est débugant. J'aimerais bien mettre un PP Max sur le double pied de mon Lapini. Pourquoi? Comme ça, il aurait plein de double pieds. Mais il y a de meilleures attaques pour le faire, non? En termes de PP, en fait. Parce que du coup, ce qui me pose le plus de problème là pendant mes chasses, c'est que y a un moment où j'ai plus de PP du tout. Hein? Et que je suis obligé d'aller au centre Pokémon et que c'est chiant. Ouais, en vrai, pour les shiny, parce que du coup, j'en ai parlé hier aussi, mais du coup, je continue mon débat tout seul. Si Nintendo a la flemme, et je peux les comprendre, ça peut arriver, de rajouter les textures des Pokémon shiny en jeu comme ça visible, ils pourraient au moins faire en sorte que les Pokémon shiny aient une aura, en fait, depuis l'extérieur. Ah ouais, ce serait facile à faire. Parce que pour le coup, c'est pas le cas, hein. Je le confirme, c'est pas le cas actuellement. Et c'est chiant, du coup. Effectivement, ce serait très facile à faire. C'est si le Pokémon spawn shiny, alors mettre une aura. Parce que comme ça, on pourrait dire, si le Pokémon est spécial, que ce soit talent caché, egg move, ou IV ou shiny, il a une aura. Et comme ça, il n'y a aucune animation à rajouter. Ouais. Et qui loot des wads aussi. Ça se trouve. Ils veulent pas que les shiny se voient aussi, hein. C'est possible. Ouais, sauf que du coup, si c'est une aura, tu peux pas vraiment savoir si c'est un shiny ou pas, à moins d'engager le combat. Non, parce que ça t'est jamais arrivé de passer à côté d'un Pokémon avec aura et de te dire, ouais, j'ai la flemme de le faire. Si, mais clairement, s'il y avait des shiny, je le ferais pas. Je les ferais tous. Ah ouais? T'as du courage.
pense que moi pas. Ouais, il n'y en a pas tant que ça non plus, de toute façon. Mais plus qu'un aura, si, quand même. Bah, j'en vois pas tant que ça, moi. Après, c'est peut-être en lien. Oui, si, je crois que c'est en lien avec le nombre de Pokémon total que t'as tué. Ça m'étonnerait pas. Vu que je dois avoir une légère avance sur toi à ce niveau-là. Oui. Alors attends, on a combien de tonicotons éclatés jusqu'à maintenant? T'étais à combien là-dedans? Voilà, la dernière fois que j'ai regardé, j'étais à 500. Attends, je t'ai à combien? 518? Je crois. Écoutez. Et oui, Roro, c'est fini le serveur Pixelmon du coup. Salut Roro, oui, j'irai 600. De quoi 600? Là, tu penses que je suis à 600? Ouais. Ok, moi je pense que je suis à 560. Allez, non, 564. Parce que voilà, c'est un bon chiffre. Bon, bah, si tu veux mettre 594 euros. À 5 près. Hein. C'est propre, c'est propre. T'as complété le Pokédex, oui, Roro, et donc là, du coup, on est en train de chasser les Pokémon les plus jolis en Shiny. C'est faux, je chasse des Pokémon random parce que j'ai juste envie de voir à quoi ils ressemblent en Shiny. Moi, je suis en train. Ah, si t'as besoin d'un coup de main, n'hésite pas à demander. Hein. Je suis chaud. Et pareil, si t'as envie de faire des raids, tu le dis. Je suis très très chaud pour les raids. J'aime bien taper des Pokémon. Pourquoi tu rigoles, toi? Parce que là, t'as l'air effectivement très très chaud. Faites-moi faire des raids, allez. Mais ouais, mais j'aime bien, moi, tabasser des Pokémon qu'on aurait demandé à personne. Enfin, dit C'est comme ça. déjà ce que tu fais, hein. Les raids, je les ouvre en deux avec Zacian. Ah bah on est deux du coup. Bon, c'est clair que Zacian pour les raids, c'est quand même assez pratique. Hein. Oh bah je vois qu'il y a Roro qui a choisi la mauvaise version aussi, hein. Non. Il y en a un seul de nous trois qui a choisi une mauvaise version et clairement c'est pas ceux qui ont Zacian. Hein. Côté de la plaque. Non mais c'est juste qu'on n'a pas compris la puissance de Zamazenta. Mais oui, il est trop bon. Il est Ouais. trop bon. C'est le Pokémon le plus broken de tous les jeux. De tous les jeux, non. Mais effectivement, il est très largement sur le podium. Il est en deuxième place. Et c'est Zamazenta le premier. Non, Zamazenta, non, il est même pas dans le top 20. Mais Il y a si! tellement d'Ultra Chimère que je foutrais devant, d'ailleurs, devant Zamazenta. Après, je suis peut-être un peu dur, mais je veux dire, Zamazenta, le pauvre, il est tout claqué du cul, il sert à rien. Mais si! Il est choupi, je suis d'accord, mais il sert à rien. Plus fort que Mega Rayquaza. Je suis pas forcément d'accord là-dessus. Pas forcément ok pour dire qu'il est plus fort que Mega Rayquaza. Mega Rayquaza est quand même bien craquance. Beaucoup trop craquance d'ailleurs.
Après, ça dépend. Si tu parles en termes de stats purs, effectivement, je crois que Zacian est devant. Mais si tu parles en termes d'utilité en combat, ouais, bah après, ça dépend aussi si tu parles du 1 contre 1 ou du 2 contre 2. Mais en 2 contre 2, Rayquaza est God tier. Genre, il n'y a jamais rien qui pourra être plus fort que Mega Rayquaza parce que, bah, please, quoi. Pourquoi en 2 contre 2 ? Parce qu'en 2 contre 2, il annule juste toutes les faiblesses de tes Pokémon vol, en fait. Hein ? Bah ouais, donc du coup, ça en fait qu'un Pokémon... Bah, pas mal fort, quand même, hein, faut le dire. Effectivement. Alors si pour rigoler, tu te fais une monotype vol en VGC, bah c'est possible, quoi. Après, je dis pas que c'est viable, mais je dis que c'est possible et que du coup, bah, tu te fais complètement carry par ton Rayquaza. Par contre, un truc pour lequel je suis vraiment pas fan, c'est le fait que, alors si je dis pas conneries, Mewtwo a encore été trouvé dans les fichiers du jeu. Ça commence à me saouler qu'ils décident de foutre Mewtwo dans tous les jeux Pokémon. Je veux dire, ok, c'est un Pokémon qui est assez apprécié par les fans, mais c'est. Enfin, je veux dire, c'est clair que s'il continue à bâcher tout le monde avec ce putain de Pokémon, effectivement, on s'en débarrassera jamais. Hein. Il y a tous les Pokémon dans les fichiers du jeu. Ah ouais, il y a tous les Poké? Non, 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 ils sont pas tous. C'est pas possible qu'il y ait tous les Pokémon. Oh, j'ai vu une vidéo. J'ai vu une vidéo d'un gars bon, qui avait un petit peu modifié le jeu pour faire spawner Wailord naturellement, histoire de voir à quoi ressemblait à Wailord en taille. Enfin, voilà. Ah bah, il est pas si grand que ça. Hein. Ils ont nerfé la taille de Wailord dans le jeu. À cause de Wailord du Yamax, peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, normalement, Wailord est censé faire quoi 20 mètres. Bah, clairement, il en faisait quoi 3 ou 4. Bon, après, ils prenaient déjà toute la route, tu vois, en faisant 3 ou 4 mètres, mais bon. Au moins légendaire. Après, ouais, qui est tout légendaire, non, qui est beaucoup légendaire, oui, ça je veux bien croire. D'ailleurs, on en parle de comment avoir mieux sur ce jeu. Est-ce que je suis le seul à trouver quand même que là, pour le coup, ils ont un petit peu abusé? Pourquoi on l'a vraiment mieux via la Pokéball Plus qui était avec Let's Go. Mais il faut que tu aies jamais linké ton Pokéball Plus à Let's Go. Oui, c'est complètement stupide. Et si tu l'as déjà linké, bah t'as plus ton Mew. T'as plus ton Mew dans la Pokéball Plus. Et du coup, je trouve ça quand même un petit peu débile. Parce que déjà que la Pokéball Plus neuve... côté la peau du cul, bah là je peux te dire qu'avec avec ce jeu, bah. J'ai pas regardé son prix, hein. Mais à mon avis, oh. La Pokéball Plus doit atteindre les 100€, à mon avis, hein. La neuve. Et encore, je te dis pas la quantité d'arnaque qu'il va y avoir derrière, du coup. Hein. C'est un petit peu abusé. De quoi ? Ils ont un petit peu abusé pour ça. Bah, pour le coup, ouais, en fait, à partir du moment où t'avais cet accessoire, tu devrais pouvoir générer une quantité infinie de... Enfin, infinie. Ou presque de Mew, quoi. Mais évidemment, mais la Pokéball Plus, mais les gars, vous rendez pas compte. Déjà, il y en a pas beaucoup. Nintendo s'en a assuré. Mais oui. Tu sais, d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, Kiki, mais Nintendo est parti à la chasse aux sorcières pour savoir qui avait leaké. Qui avait quoi leaké? Ouais, début novembre, t'as eu des leaks de Pokémon Sword and Shield. Et du coup, clairement, ça a pas du tout plu à Nintendo. Et du coup, ils ont
Ils ont commencé une action en justice et ils ont notamment exigé à 4chan et à Discord de donner les ID des personnes qui avaient spoilé des trucs. Histoire de pouvoir les retrouver. Ah. Et franchement, donc Nintendo estime du coup qu'il y a eu une énorme... Enfin, que ça n'a pas été une perte, mais du coup que ça a compromis la sortie du jeu ou un truc comme ça. Et en gros, si ça va jusqu'au bout, s'ils arrivent à retrouver la personne qui a fait ça, autant dire que la personne, elle pourra jamais s'en mettre. Parce que du coup, en termes de d'amende monétaire, le gars va prendre ultra cher dans la gueule. Mais genre vraiment ultra cher. Ils vont un petit peu loin là. En même temps, faut paniquer. Pour le coup, je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord sur le fait que faut paniquer. Mais par contre, j'avoue, Nintendo va partir loin là. Et clairement, je voudrais pas être à la place des personnes qui font niquer parce que bah. Alors déjà, pas de bol parce que ces personnes ont été assez cons pour foutre des images. Sauf que du coup, on s'est très vite rendu compte que c'était des images en rapport avec le guide stratégique. Ce qui fait que ça élimine déjà énormément de personnes. Puisqu'il ne reste là plus du coup que les éditeurs et distributeurs. Mmh. Donc ouais. Et par contre la presse suit ça avec beaucoup d'intérêt puisqu'en fait apparemment, et ça je le savais pas, la presse n'a pas reçu les jeux presse à cause de ça. À cause des leaks. Genre Nintendo n'a pas envoyé les jeux à la presse, donc normalement ils envoient les jeux en avant-première à la presse. Et du coup ils les ont pas envoyés à cause des leaks pour éviter que ça fuite de trop. Ce qui fait que les presses n'ont pas pu faire des reviews et des guides Day One. Ça a dû les faire chier, je pense. La presse ou Nintendo ? Les deux. Ouais. Hein. Mais par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est le data mining qui a eu lieu avant la sortie du jeu aussi. Le data mining ? Ouais, il y a eu du data mining avant que je sorte. Comment ça ? C'est quoi ? C'est-à-dire des gens qui avaient réussi à farfouiller dans le code du jeu pour trouver des informations. Ah. Avant que le jeu sorte ? Ouais. C'est simple, dis-toi que le tout premier jour, vraiment, le soir même, il y avait déjà la carte des raids. On savait pas encore exactement à quel trou... Non, on savait pas encore... Enfin, on avait le numéro des trous sur la map. On savait pas, par contre, quel trou correspondait à quel Pokémon. Mais on avait déjà la carte complète des raids. Ah. Et c'est pas le genre de truc que tu fais en 24 heures. Un échange géolite pour l'évoluer en gigalite. Ouais, écoute, y'a pas de problème. Tu m'envoies ton code ami, Roro. Et je t'envoie directement le gigalite. Comme ça, ça évite que je me tape une évolution. Ça te dérange pas que ton code apparaisse dans un rediff ou je cache ton code, ou je cache l'écran de mine le temps de. Non, c'est bon. Ok. Merci. Coucou Samchi. D'ailleurs, faudra que je retire pour les concentrés sucrés, je peux plus en manger. Coucou Samchi. Non. Alors, il y a le tag CA, mais le truc c'est que c'est mon code ami. Ah bah, il y a même plus le CA. Ok, très bien. C'était le code ami 3DS. À l'époque où il était. Mais effectivement, j'ai dû le retirer puisque du coup, effectivement, je joue plus trop à 3DS. Ah, c'est vrai, Kiki ? T'as pas de définition ? C'est pas grave, c'est. Oh, t'inquiète, je m'en occuperai après le stream, si j'y pense. Je vais le noter. Voilà, j'oublierai pas comme ça.
Ah pardon, j'avais pas vu ton code ami. Je vais le rentrer dessus, pardon, excuse-moi. J'étais omnubilé par les tournicotons. Je voulais vraiment défoncer les tournicotons. Roro, si t'as besoin de quelques Pokémon en plus, n'hésite pas à le dire, hein. Comme dit, bah j'ai un peu complété le Dex. On va sauvegarder avant parce que je sens la connerie où je vais quitter le logiciel sans faire exprès. Oui, de toute façon on s'en fout d'interrompre la communication vu qu'il n'y en avait pas. Ajout d'amis. Un métamorphe 5 IV. Non, j'ai que du 4 IV pour le moment. J'ai deux métamorphes 4 IV qui me permettent de faire un Pokémon Strat. Quand tu veux le jeu. Merci. Attends, il manque des trucs dans ton code ami, Roro. Hein. Ah non, c'est bon. Oui, attends, faut peut-être que je me connecte à Internet aussi parce que... bah c'est Moufouette à droite. C'est un vieux Moufouette tout claqué à droite. Tu sais le truc de la quatrième génération qui pue la merde et qui sert à rien. Le dragon. Non, le ténèbre. Poison. J'ai cru qu'il était rouge. Ouais, non, tu peux pas voir les shiny depuis l'extérieur. Du coup, le code, ça va être 59-19. 59-19. Ouais, poison ténèbres, ouais, ça. Truc de merde. Donc tu rentres le code, je vais taper un tournicoton de plus. J'aime bien taper les tournicotons, c'est toujours fun. Bon, par contre, je veux bien récupérer mon géolite, hein, après. Tu sais, genre le Pokémon que je t'envoie, faut que tu me renvoies. On va pas les shiny avant les combats, ouais. C'est tout que ça pro. Mais en vrai, Roro, choper un métamorphe 5 IV n'a jamais été aussi facile que dans ce jeu. Ah non, putain, il y a un débugant. Lâche-moi. Après vachement loin quand même. Ouais. C'est des furieux les débutants dans le jeu. Je voulais pas me faire agresser par un zigzaton là maintenant de suite. Après y a pas de GTS, c'est nul. Non c'est pas nul le fait qu'il y ait pas de GTS. M'a aidé. Roro, t'as pas trouvé. Enfin, t'as pas réussi à faire le code ? 59-19. Waouh, qu'est-ce que vous me voulez, vous ? Tu es cerné ! Bah, 59-19. Il est en recherche, là. Oui, il est en recherche. Ah, c'est bon. Faut compléter le deck, c'est mieux. Non, pas forcément. Du coup, oh putain, il faut que je retrouve machin. Oh, alors, Gigalite. Si quelqu'un voit Gigalite, il a le droit de gueuler. Là. Enfin, là. Là. Ah oui, là.
Attends, est-ce que j'échange la bonne personne? Donc c'est bon. Alors malheureusement, je peux pas te prêter Zamazenta puisque du coup, bah, je ne l'ai pas. Qui tu triches? Ouais, t'as vu? Mais je triche pas, je t'ai juste prévenu. Il faut savoir que Kiki il a droit à un partage d'écran en direct, lui. Mais en vrai direct. Pas en direct avec 3 secondes de décalage. Il n'y a pas de bouclier, ok, nickel. Le poison machin, il est dans les deux couleurs, quoi. Ah vas-y, oh j'ai hâte de recevoir ta carte de ligue, franchement. T'as besoin d'autres trucs ou pas? Tant qu'à faire. Genre ectoplasma, macogneur, qu'est-ce qu'il voulait encore pour échange? Décéliandre. Non, ok, bon, vraiment le machin. Oh mon gigalith. Ni mon gigalith. Après même si t'as pas besoin forcément de Pokémon qui évolue par échange, par exemple j'ai non Cocotine, non c'est pas Cocotine, c'est. Ah comment il s'appelle? Bah je t'avais laissé en plus Kiki. C'est censé faire un œuf et me le rendre. C'en est où d'ailleurs ces œufs Kiki? Bah, ils sont faits. Ah, elle est quand est-ce que je récupère un Pokémon du coup? Quand tu veux. Ah, ok. J'ai juste oublié de te prévenir que j'avais fini. D'accord. Milovelus. Ah oui, ça j'ai, j'en ai capturé un sauvage. Alors pour information, il apparaît au lac Ouragan quand il y a de la brume, si ça intéresse. Il est à la place du spot du Léviathan du lac Ouragan. Milobélus. Pop, pop, pop. Bah, Milobélus, c'est la même en fait, Kiki, t'es censé faire un œuf, non? Ah non, il est là. Non, il avait eu si je l'avais. En fait, à part Décéliandre, je crois que tous les Pokémon sont trouvables déjà évolués. Hein. Je sais que je crois que Gigalith l'est. Je suis sûr à 100% que Mackogneur et Ectoplasma sont dispo. Milobélus, du coup, est dispo. Ah bah non, après, il y a bah, justement Cocotine et... Comment il s'appelle? Putain! Mais le Pokémon claqué du Canaille. cul! Quoi? Quelle canaille? Voilà ça! Je peux le garder pour faire un œuf. Ah, je vérifie si j'ai encore mon barco. Je te dis Non, vite. tu me l'as échangé. Oui, mais du coup, tu vas me le rendre. Si tu veux, oui. Voilà. Bon, c'est bon, alors, du coup, tu peux le garder. Enfin, tu vas faire un œuf et le garder, quoi. Enfin, tu vas garder l'œuf et je vais changer le barco. Ah, mais tu me casses les couilles, tu poses trop de questions, Kiki. Ouais, non, parce que Roro, je comprends que t'aies pas envie de pêcher un Pokémon qui a 1% de chance de. Non, 2% de chance de spawn à la pêche. Non, 1%, hein. Barco, il est 1%. Besoin d'autre chose? Donc, à y être. Tiens, tu veux pas une armée de Charbi ou de Tournicoton qui servent à rien? Ou des Darumaron tout claqué? Quoique tout claqué, en vrai, ceux-là, ils sont pas mal. Bah, il est très bien celui-là. Ah oui, mais il avait pas la bonne nature, c'est pour ça. Xatu. Ah oui, ça, j'ai. Où est-ce qu'il est? Xatu de ses grands morts. Quelqu'un voit un Xatu, il a le droit de gueuler là. Ah, Là. là. Non, c'est moi le first. Un Charbi, super! OMG! Pour faire un. Oh, vas-y. Et franchement, il me manquera pas. Vraiment, garde-le. Sans problème.
Non mais je suis content, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un putain de Charbit, c'est grand mort. Non, au moins depuis quoi, hier quoi. C'est cool. Non, c'est faux, avant-hier, avant-hier. C'est avant-hier que j'avais éclaté des milliers et des milliers de Charbit. C'est faux, juste un millier. Allez, quoi d'autre? Tiens, tu l'as lui là, le poltergeist? 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 Polté truc? Ce truc? Cette chose? Cette merde? Tu l'as? Ok. Wistampo. Ah non, désolé. Alors, les... Bah, en plus, mon. Non, bah, je l'ai pas parce que du coup, je l'ai prêté à quelqu'un qui me l'a jamais rendu. Ah, je crois que la personne en question vient de rigoler. Mais je donnerai pas de nom. Mais elle a rigolé. Bon, attends, elle rigole plus, hein. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, bien sûr. Starter que j'avais moi-même piqué à quelqu'un d'autre. Et que j'avais reproduit sans son autorisation. Bien évidemment. C'est comme ça qu'on fait. Noctu noir. Ah, bah, je trouve en sauvage. Mais bon, ok. Bon, bah, dès que vous voyez Noctu noir. Où est-ce qu'il est? Je suis sûr à 100% que je l'ai. Hein. Après, où est-ce qu'il est? C'est ça la question. Ah bah merde, où est-ce qu'il est? Ah bah il est là. J'ai là, il est là. First. Pas, tu voudrais pas m'envoyer un petit Zacian ou un petit Eternatus comme ça là pour le plaisir? Ah, le Pokémon par contre que je te prêterai pas, c'est low class. Alors là, par contre, pour le coup, démerde-toi, va souffrir. Ah, mais quel connard ce Pokémon, sans déconner. Il y en a 4 qui sont suicidés devant moi, j'en pouvais plus. Ah, tu l'as, ok. J'aime pas les gens qui ont des low class non plus. Hein. Souffrez, je veux que tout le monde souffre. Comme j'ai souffert, tu souffres du Pokémon. Moi, j'en ai deux. What ta gueule, hein? Pareil, Corium, je peux pas te le filer parce que j'en ai pas fait d'œuf et que je veux vraiment le garder. Pour un moment. Qu'est-ce qui est chiant? Tu t'es déjà fait un Trioxydre? Ok, bah écoute, j'ai. Enfin, dis-moi. Moi! Moi. Non, c'est moi qui l'ai dit en premier, donc c'est moi qui ai gagné. Je suis sûr que tu veux ce magnifique Limonde de Galar, sol acier. Ah, t'en as un 5 IV de Limonde? Félicitations. Je suis pas sûr qu'il parlait du Limonde. Je le laisse. Oh! Franchement, je suis déçu. Oui, je sais, il parlait de son truc. Où on le chopait en raid. Plus rien, ok. Bah écoute, enjoy. Je souhaite de faire des jolis œufs. Wow, pourquoi vous barrez, vous? Avec plaisir. Si t'as besoin d'autres Pokémon, n'hésite pas. Mais si t'as besoin de certains Pokémon, du coup, qui sont exclusifs à. À bouclier, il faut que tu me préviennes à l'avance du coup que je fasse les œufs quoi. J'ai pas encore, j'ai pas fait le deuxième badge, ouais, ok. À partir du troisième badge, tu débloques les raids 3 étoiles pour info. Donc ça va un petit peu changer les Pokémon que tu as dans tes raids. Même beaucoup changer les Pokémon que tu as dans tes raids.
Non, c'est à partir de la quatrième étoile que ça change énormément les Pokémon que t'as dans tes raids, puisque du coup t'as plus de raid une étoile. C'est ça, hein. Oui, je crois que c'est quatrième étoile. Ouais, c'est la quatrième étoile où t'as, ça commence à faire beaucoup de changements. J'ai eu que Rapion en plus, ouais. Bon après, faut pas oublier que non seulement, enfin, t'as les raids normaux plus les raids rares, et que en plus, bah, dans chaque pool, t'as plein de Pokémon différents pour chaque entre. En vrai, regarde sur internet, tu cherches un Pokémon en particulier parce que t'es pas rendu. Hein. Du coup, je vais aller faire un œuf de Barpo. Oui, fais des œufs de Barpo. Bon allez, la tournicoton, dépêche-toi, j'ai envie de jouer en japonais. Putain, il est tueur de fun ce Pokémon. Heureusement qu'il a pas fermeté maintenant que j'y pense. Hein. Comme Tarsal, je n'ai jamais vu ailleurs que dans les raids. Tarsal, tu peux pas le voir ailleurs que dans les raids pour le moment, puisque du coup c'est une météo qui ne se débloque qu'une fois que t'as fini la ligue. Enfin, une des deux météos qui ne se débloque que quand t'as fini la ligue. Une des trois météos que tu ne peux avoir que quand t'as fini la ligue. Il fait toujours avec... Ouais, non, les petits rebuts de tiers, please. Il fait trop mal. Et heureusement qu'il n'a pas encore son talent caché. Au début, avant. T'as vu des Tarsals toi dans ce jeu, Kiki? Non, moi j'en ai pas vu. Bah moi non plus. Tu pourras me linker un de ces épisodes s'il te plaît, ça me chie, je suis très intéressé du coup. Bah je sais pas. Si par hasard tu retombes dessus, bah n'hésite pas à m'envoyer, ça m'intéresse. Mais en vrai, je trouve ça dommage. Les gars qui font des let's play, donc des gars qui sont censés montrer le jeu, et qui prennent des Pokémon de la 3G, franchement les gars, GG. Hein. Et c'est là que je comprends pourquoi Game Freak a supprimé la moitié des Pokémon. Hein. Énormément, il y a quand même beaucoup de nouveaux Pokémon et c'est franchement dommage que les gars ils montrent pas les nouveaux Pokémon. Quoi. Un jasque pour fauchage. Bah en vrai, tu veux utiliser un nouveau Pokémon, tu utilises la tortue qui peut apprendre fauchage. Mais en vrai, fauchage, j'ai jamais vu un jeu Pokémon où c'est aussi plus utile d'avoir fauchage. Hein. Non, parce que t'envoies une Pokéball, tu fais une capture critique et t'as le Pokémon. Yay. J'ai fait le Pokédex sans fauchage. Hein. Je savais où le trouver, mais j'avais personne qui pouvait l'apprendre dans l'équipe et j'avais pas envie de changer mon équipe. Bon, au pire des cas, tu capturais le Galam sauvage. Oui, je pouvais, mais du coup, il fallait changer mon équipe. J'ai un bug, ma boîte A a disparu comme ça sans raison. What the fuck? Roro, tu te tapes des bugs chelous quand même, hein? Ah, c'est vraiment pas de bol. Ah, je suis vraiment désolé pour toi. Mmh. En plus, c'est dommage parce que du coup, le Miaouss qui t'est donné comme ça, c'est le meilleur moyen de se faire de la thune du jeu. De tout le jeu, t'as aucun moyen qui est plus rentable. Même la technique des watts est moins rentable. N'est-ce pas, Kiki? Ouais, c'est rentable quand même. Oui, c'est rentable, mais du coup, la technique avec le Miaouss... Enfin, tu passes un Miaouss level 100, tu fais la ligue en boucle en gigamax 100 et en tabassant comme un connard sur le jackpot Gmax et tu te fais 100 000 plus l'argent du combat.
Pour peu que tu fasses en plus tenir la pièce rune, ça va pas doubler le jackpot, mais ça va doubler l'argent que te donne le gars. Et bisous Samchi du coup. Au revoir Samchi. Mais du coup tu peux te faire 130 000 par combat très facilement, sachant que t'as 4 combats à faire, que chaque combat te prendra entre 2 et 3 minutes, puisque du coup tu vas pas te faire chier, tant qu'à faire tu vas te faire un putain de Miaouss level 100. Non ça va, en vrai c'est cool. tu veux que je te montre là? Tu veux que je le fasse? C'est pour montrer. Ouais, vas-y. Ça va prendre 10 minutes et puis comme ça c'est comme ça je peux montrer à tout le monde. Ouais, vas-y, c'est une bonne idée. Bon bah je vais monter le Miaouss, faut que je retrouve. Mais par jackpot Gmax, du coup tu fais 33 333 Pokédollars. Ça va, c'est sympa. Et du coup vu que tu peux en balancer 3, bah ferme ton shiny. Ouais, je veux aussi fermer le shiny. Bon, j'aurais bien montré autre chose que du bourrage de tournicoton, quoi. Tant qu'à y être. Ça fait une heure qu'on bourre des tournicotons comme des connards. Vous voyez, c'est un signe. Il n'y a aucun tournicoton. Allez hop, on va la ligue. Changeons un peu d'environnement. C'est là. Par contre, il va peut-être falloir que je fasse quelques modifications sur Miaouss. Est-ce que je le fous rigide ou pas? Ce serait peut-être un petit peu excessif, non? Ouais, t'as raison. Ouais, mais c'est un Miaouss, il tape pas fort de base, hein. Ouais, mais il sera level 100. Je pense que si tu apprends les bonnes CC, ce sera assez. Ouais, les pokémons sont là. Du coup, on va foutre. C'est de qui qu'on se débarrasse? Je sais pas qui est le moins bon de mon équipe. Celui qui est le moins bas level? Non, le plus haut level, on le dégage, voilà. Comme ça, il aura pas d'XP. Punis d'XP, franchement, m'énerve. D'ailleurs, je vais juste faire un truc. Foutre mes shiny en boîte 15, plutôt. Est-ce que, par hasard, ça me débloquerait pas des boîtes supplémentaires? Oui, j'ai les blocs et les boîtes supplémentaires. Nice. Ok, alors. Non, bah je commence à me sentir à l'étroit. Miaouss. Est-ce que c'est lui? C'est Monsieur Pognon, c'est bien lui. On le récupère. Maintenant, la question, c'est est-ce que j'aurai assez de bonbons pour lui? Sac. Oui. Assurance. Alors, je sais plus ce qu'il a comme attaque. Alors, je peux lui faire oublier Jackpot du coup, puisque du coup son Jackpot G-Max remplace les attaques de type normal. C'est-à-dire que tranche, c'est ça qui va avoir le nouveau Jackpot G-Max. On va retirer. Après, rien n'empêche de spammer Jackpot comme un débile, mais bon, tant qu'à faire. Non, combo griffe, non. Non plus. Toujours pas. Oui, ça peut être cool. Tu peux peut-être faire des dégâts avec ça. On va retirer. Okay. Ok, alors maintenant, est-ce que j'ai des baies anti-EV? Voilà, et la vitesse pas à peine de descendre. Non, on n'a pas fini. Et c'est pas fini. Ah, tu vas le strat carrément. Le strat, ouais, t'as raison. Je suis en train de strat un Pokémon qui a une un Pokémon random, t'as raison. Bah, si tu lui mets l'Evoluroc... Oui, je vais lui faire tenir et l'Evoluroc et le et la pièce rune. Ah ouais. Ouais. Est-ce que j'ai la pièce rune d'ailleurs? Oui, hein. Je l'ai quelque part. Là.
Allez, c'est parti, on va rigoler. Est-ce que je soigne mes Pokémon? Certainement pas, ce serait dommage, de s'amuser. Tu me mets pas en premier dans ton équipe du coup? Alors, qui vais-je inviter? Donna. Comment ça, ta vie du monde? De quoi? Comment ça, t'invite du monde? Oui, j'ai invité des gens. Oh, il y a Travis versus Donna. Je suis sûr que Travis va gagner, parce que Travis, il est trop fort. Équipe. Du coup, on est d'accord, j'ai bien foutu en premier, oui, d'accord. Donc, je ne comprends pas ce que Kiki a dit. Ah, j'ai cru qu'il était en dernier. Ouais, ouais. Ah oui, alors par contre, j'aurais dû mettre les animations de combat et tout. Bon, vous me direz, on va gagner du temps. Allez, c'est parti. Alors, du coup, on n'aura pas l'animation de Jackpot G-Max. Le Pactol G-Max, pardon. Tant pis. On verra au moins un giga miaou, ce sera rigolo. Il fait peur. Oh putain, il me bluffe. Oh non, bah déjà on aura que 66 000. Ah bah non, il peut pas faire peur à un G-Max. Ok. Une pluie de pognon. Alors, le but c'est vraiment juste de balancer 3 Pactol G-Max du coup, puisque c'est ça qui va faire en tout toute la thune. Ah, allez, dépasser le level 76. Non, regardez, c'est mon futur shiny. Putain, il est tellement faible ce Pokémon, quoi. Pomme drapi. Ah. Ah. Ça forme G-Max, et évidemment. Oh, ça me donne faim. Pourquoi ça m'étonne pas? J'aime pas les pommes, mais le liquide jaune là qui est sur le côté, il a l'air tellement mangeable. On dirait du miel. Mais oui. Et regarde l'argent que j'ai gagné. Ah, écho. Ah, raté. Ah, 19 840 de thunes, brut. Ouais. Plus 100 000. Ça va. C'est pas mal, hein. Ça va, mais ça va. J'y crois pas, Donna s'est vraiment fait éclater par Travis. C'est quoi cette arnaque? C'est qui Phaser? Je sais pas.
Oh, est-ce qu'on va voir sa musique ou la musique de la ligue? Oh, faites qu'on ait sa musique, s'il vous plaît. Yes, on a sa musique. Elle est plus sympa comme ça. Ah bah attends, c'est une championne, hein. Donne-moi de la thune. Et tu vois, c'est pas très con... enfin, c'est pas très long par combat. Hein. Après, ce qui peut faire chier, c'est si là elle me sort un Pokémon Spectre. Parce que là, du coup, je suis obligé de balancer une attaque finale. Ah ouais. Pourquoi ils font pas abri, lol? Ah, je suis pas sûr, mais je crois que le coup critique n'a pas forcément joué. D'ailleurs, le pactole Gmax, t'as combien? À 130 de puissance, là, du coup. J'ai pas vu ça. Ouais. Bah, j'ai pas regardé, en fait. C'est pour ça que t'as pas vu. Bah, à 120 seulement. Rends la cible confuse. Ah c'est, hey, franchement c'est tout bénef hein. Ouais c'est sympa. Mais du coup face à un raid, si je le sors, est-ce qu'on gagne tous 33 000? Oh trop bien si ça marche comme ça. Ouais mais du coup faut pas que ça tape sur le shield. Effectivement. Oh Choupi versus Choupi. Pas Choupi versus Choupi. C'est lui le Choupi, on est d'accord. Ah bah non. Eh, hey, j'ai survécu. Un métamorphe 5 étoiles. Non, désolé Roro, ça ne m'intéresse pas. Et si je veux faire un raid métamorphe 5 étoiles, ça me prend 5 secondes à trouver. Donc, enfin, 5 secondes, non, c'est faux, mais 2 minutes à trouver. Littéralement. Donc, Bien, ils sont pas très compliqués à farmer les raids. Hein. Allez, mon pognon. J'aime bien quand elle boude après le combat. Mais oui, elle est choupie. Ah mais attends, Rosemary a éclaté son frère en fait. Ouais. Ah ouais. Et du coup j'affronte ce trou du cul de Travis encore. Et les combats c'est aléatoire ou tu finis toujours contre Travis? Bah en fait Roro, c'est ce que j'avais cru comprendre, sauf que j'ai jamais eu de mise à jour du jeu en fait de mon côté. Ah et puis j'ai pas fermé le jeu non plus depuis. Il fout toujours le jeu en veille. Alors là tu vas dire ah ouais mais mise but c'est chiant. Bah non c'est pas chiant parce que même si je tape pas très efficace, bah je vais quand même lui faire le pactole en fait dessus. Ouais. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il me tue pas en 3 tours. Mais non, il me semble que ce qu'ils ont fait, Roro, c'est une mise à jour serveur. Mais le truc, c'est que j'ai pas compris ce qu'elle corrigeait en mise à jour serveur. Bah, apparemment, pas ce bug là, puisque bah, j'arrive encore à le faire. Oh, s'il se tape, c'est magnifique. Oh non, il se tape pas. Pognon! Ah bah, il est mort.
Pognon. Pognon. Pognon Fali. RT, si toi aussi tu trouves que Miaouz c'est cheaté. Franchement, les Miaouz sont devenus violents. Hein. Ouais, il prend cher quand même. Ouais, il prend cher, mais il met cher aussi. Tu te rends compte que là, sur un critique, j'aurais tué ? Ouais. Ouais, on parle de guerre de voir. Hein. Ça tombe plutôt bien, un guerre de voir, normalement. Ah bon ? Ouais. Bah c'est une bonne défense quoi hein. Non c'est une bonne défense P je crois. Ah je sais plus. Bah l'OPA j'en sais rien du tout. Parce que j'ai pas regardé ses stats à celui-là. C'est plus physique que défensif. Oui mais je sais pas si c'est une bonne défense. Oh il endure le chien. Il est trop bien ce Miaouz. Regarde. Il a tué 4 Pokémon et tout seul. C'est un monstre. Il a enduré le choc parce qu'il voulait pas te faire de peine, c'est ça? Ouais. Il a fait l'effet de la ceinture force sans ceinture force. Oui. Où est le problème? Mais tu sais que si t'es Pokémon Time, ils le font souvent, ça. Hein. Ah bah, ils doivent pas m'aimer. Bah, c'est clair. Ils meurent pas souvent, en fait. Et Roro, pourquoi tu parles de hache? Après, si tu parles du axe, c'est pas la même chose. Mais si tu parles de axe comme ça, c'est une hache. Oui, tu étais prêt, c'est pas grave. Donc faut que j'envoie un Pokémon. Bon bah j'envoie Joker. Il parle de hache dans ton chat, à mon avis c'est une menace. Hein. Ouais, j'avoue, Roro, tu menaces? Alors que j'étais sympa avec toi, je t'ai filé des Pokémon et tout. Oui. Non, mais en plus il a su, merde. Mais j'ai rien fait. Fais gaffe, la prochaine fois que tu sors de chez toi, tu vas voir un mec avec une hache. Oui, j'ai peur. Mais il a l'air tellement peaceful maintenant. En vrai, Travis, par rapport au début du jeu, où il est toujours en mode vénère, là. Après, ce qu'il dit, c'est pas très sain non plus. Hein. Bah, j'aimerais bien ne pas être son contemporain. Bah oui, il a raison. Il aimerait bien ne pas vivre dans la même... à la même époque que moi, parce que, bah, évidemment, bah, je lui casse la gueule en boucle, en fait. Merci. Et voilà. Par contre, attendez, j'ai un truc très important à faire. Waouh, elle est jolie ta carte de ligue, Roro. Waouh, et t'as une équipe absolument incroyable. Vraiment, j'aime beaucoup. Et puis t'as fait 3 curies dans ton curidex, hein. En vrai, 3021 Moti Rally, attends, je suis à combien moi? Ah ah, j'ai fait mieux que toi! Vas-y, moi j'ai tryhard le Moti Rally, vas-y, tu vas faire quoi? Bon, par contre, il est plus à jour en termes de Pokémon chromatique vu. J'ai pas actualisé, ouais, moi non plus. Allez! Et donc, du coup, j'ai pas regardé, on a combien de thunes maintenant? D'accord, personne n'est capable de le dire. 911 000, donc on s'est fait quoi? On s'est fait 500 000? Ça va. Bah, c'est plus rapide, du coup, que... avec la technique des watts. Allez, on récupère nos Pokémon. Seed cheat. Ah ouais, mais complètement. Équipe. Allez. Au revoir, monsieur Pognon. Qui n'a jamais aussi bien mérité son nom. Hop, il est dans les Pokémon à foutre là. Toi, je te récupère sur moi.
D'ailleurs, t'es pas censé être là, t'es censé être là. Je vous jure que je range pas mes Pokémon au pif dans les boîtes, hein. Enfin, en tout cas, les Pokémon... Et GG pour ton métamorph, Roro. GG. Quatre IV, ah ouais, ça par contre c'est chiant après de farmer, farmer avec des bons IV. Pourquoi j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que j'affronte ce tournicoton? Bah oui, évidemment tu casses la gueule. T'es là pour ça en même temps. En vrai, attends, alors, est-ce que j'en avais eu 20? Non, j'en avais juste deux lignes de métamorphes avant. Mais du coup, j'en ai foutu, en fait, j'ai tout foutu sauf 3. J'ai tout foutu en échange miracle, histoire de pouvoir partager des métamorphes français. Je me dis ce que je partage, au moins je suis sûr de pas le... Enfin, déjà je suis sûr qu'au moins ça sera pas perdu en boîte, et puis comme ça, bah, y a des chances que des gens puissent faire du Masuda grâce à moi. Et je me dis que après tout, est-ce que c'est pas ça qui compte, le fait de partager dans un jeu Pokémon? Est-ce que c'est pas le seul truc qui compte? Ça et les Pactol G-Max. Tu partages ton argent du coup? Ouais, si tu veux, vas-y, je veux bien te faire un prêt avec un taux d'intérêt très intéressant à 30% sur 2 jours. C'est pas un partage. Bah je partage, mais après je récupère. S'il y a un taux d'intérêt, c'est que c'est pas du partage. Bah si. Déjà, si tu demandes une rémunération après, c'est que c'est pas du partage. Mais je demande pas une rémunération après, je précise avant. Et tu sais quoi, Kiki, je vais même faire mieux. Je te file 100 000 si tu me files 130 000. Non. Bah pourquoi? Parce que c'est une arnaque. Eh bah non, ça s'appelle les intérêts. Oui, j'ai dû un banquier donc. Bah tu sais, en tant que comptable, j'ai toujours une petite âme de banquier quelque part. Hein. Donc c'est ce que je dis, t'es un arnaqueur. Les banquiers sont pas des arnaqueurs. Toi, tu reçois un coup de fil de ta banque, un jour tu vas rien comprendre. Hein. Ouais, alors comme ça, les banquiers sont des arnaqueurs. Ah bon, on vient de se rendre compte qu'en fait votre compte il est à zéro là. Comment ça, quel argent? Y'a pas d'argent. Jamais eu d'argent. Ça me ferait chier quand même. Ouais, bah moi aussi. Enfin, je te dis ça, mais... Si mon compte est à zéro, je suis heureux, là. Mort au tournicoton. Alors, je tiens à dire que c'est le deuxième tournicoton à la suite qui est une aura. Hein. Et c'est moi, mon Pokémon vient de renifler le Pokémon adverse avec intérêt. Pardon. Mais tu t'es écrit, qu'est-ce qui t'arrive? Il me fait peur ce Pokémon tout d'un coup. Il a envie de le manger. Bah oui, c'est ce que j'ai compris. Attendez, on va arrêter de passer trop vite les dialogues, parce que j'ai l'impression que des fois il se passe des trucs un peu trash. Il se souvient de ma première rencontre avec moi? Oui. Faut pas lui dire. Ouais, clairement, je vais pas lui dire. Mais comment je sais ce que pense mon Pokémon, au fait? Genre, est-ce qu'il rentre dans ma tête pour me le dire? Il est télépathe. Ah bah, arrêtez de penser à Gardevoir. Arrêtez de penser à Gardevoir. Arrêtez de penser à Gardevoir. En plus, c'est une femelle. Merde. Elle va être jalouse. Tu me diras, ces bras tentacules, ça peut être utile. Hein. Pardon. On s'arrête là.
Non, s'il te plaît, on s'arrête là. Va plus loin dans ce que tu dis. J'ai du mal à comprendre. Bah, ça te résume, va plus loin. Allez, on va changer de sujet parce que le tout, ce serait pas. C'est... Oui. C'est que tu se passes pas mal. Oh, comment il bégaye. Oh, il est pas à l'aise avec ce sujet. Wouh. T'es bon. Un zigzaton, il a spawné, il a décidé de me foncer dessus. Papa. Papa. Ah merde, j'ai pas lu ce qu'il avait dit du coup, mais c'est ça. Enfin, on va lire sur le tournicoton puis je suis là. Vas-y. Qu'est-ce que t'as à dire sur ce tournicoton? Ah d'accord, tu veux juste savoir quoi faire? Bon bah, griffe. D'ailleurs, c'est rigolo parce que griffe ombre, mais pour faire griffe ombre, faut des griffes, non? Oui. T'as vu ses doigts? Bah ça se trouve il est transformé en pointe, un tigriffe. C'est pratique ça. Non, on avait dit qu'on arrêtait. Ah, j'ai pas lu. C'est ta faute. Rappelle-moi d'arrêter de spammer le bouton A au départ. Arrête de spammer le bouton A au départ. Oui, non mais... Spamme pas le bouton A. Savoir quoi faire. Attendez, mais je suis sûr qu'il y a des trucs rigolos à voir. Non, mais je veux savoir ce qu'il disait tout à l'heure, là, en reniflant, là. Je suis sûr, enfin, je suis sûr d'avoir dit reniflé et Pokémon. Donc, enfin, je veux vraiment savoir ce qu'il a dit tout à l'heure. Je veux vraiment savoir ce qui s'est passé. Mais le combat quoi? C'est ça, bah, vraiment envie de s'amuser avec vous, mais le combat... Je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir. C'était sur trois lignes là, on a une seconde pour lire trois lignes les gars, calmez-vous. Dire, je sais que je lis vite puis quand même. Ah, il y a vraiment des phrases rigolotes en fait. Savoir quoi faire. Bon, le savoir quoi faire, par contre, il est pas drôle. Arrêtez de me le mettre. Mettez-moi d'autres trucs, genre le machin qui renifle. Je veux vraiment savoir. Là, franchement, je suis vraiment très curieux de savoir. Je veux savoir pourquoi mon Pokémon renifle des Pokémon. Mais encore, ce serait un chien, je comprendrais, mais c'est un putain de fantôme. Un fantôme qui renifle quelque chose, en principe, ça c'est un peu creepy, hein. Il cherche un nouveau corps. Comment ça, il cherche un nouveau corps? C'est littéralement du béton, machin. Bah justement, peut-être qu'il veut avoir un corps fait de chair. Ok, bah là, ça fait très peur. Oh, regarde pour savoir quoi faire. Pas drôle. Mais du coup, est-ce que je peux faire Pactol? Ah bah non, je peux pas faire Pactol, j'ai max des sauvages. On peut se dire, ça pourrait être rigolo, hein. Effectivement. Alors vas-y, renifle-le, ce tournicoton.
Mais renifle, putain! D'ailleurs, t'as même pas de nez, comment tu renifles? On a dit, faudra que je regarde la rediff et que je mette en ralenti pour voir. Je vais te donner l'heure, comme ça tu sauras à peu près à quelle heure regarder. Ah mais t'inquiète pas, j'ai noté que c'était vers 1h37. Ah. De stream. Okay. Tu sais, t'inquiète pas, je check le timecode de temps en temps en haut à droite quand tu passes un truc pour si j'ai envie de regarder à nouveau. Ok. Et si c'est vraiment aussi creepy que ce que je pense, je le foutrai sur Twitter. Avec un « Ah bon ?» Le fameux « Ah bon ?» d'incompréhension. J'ai pas lu là, par contre, j'avoue. C'est qui, rappelle-moi, de pas spammer A ? Faut pas spammer A. Non mais... Je te le demande aussi, je sais que tu vas me faire ce coup à chaque fois. Parce que tu recycles tes blagues, tellement t'en as peu. C'est tout pareil. Non. T'as des preuves? Non. Ben voilà. Alors. Ah, renifle. Mais putain! Ça y est, il veut plus renifler là, il fait plus rien de rigolo mon Pokémon. Putain! Franchement, Pokémon, c'était mieux avant. Alors, en vrai, par contre, c'est cool qu'il y ait plein de petits détails comme ça à la con que tu découvres même au bout de 100 heures de jeu, quoi. Je suis niveau Super Bowl. Ah, nice. Donc, du coup, c'est pas très compliqué. Non. Tu crois qu'avec mes deux Pokémon, ça va le faire? Bah les deux miens sont moins puissants que les tiens. Viens, on fait un combat 2 contre 2 pour checker ça. Non, trop tard, je suis rentré dans la tour. Il a refait, hein. Il renifle avec intérêt, c'est ce qu'il dit. C'est ça, renifle le Pokémon ennemi avec intérêt. Pas du tout creepy. Mais à l'aide! Non, c'est pas à l'aide, c'est ça. Oui, mais à l'aide, aide-nous! D'ailleurs, tu sais que mon meilleur counter à c'est ça dans mon équipe, ça reste à l'aide. Hein. Donc si c'est ça, pas vraiment en couille. J'ai l'arme de dissuasion avec moi. L'arme de dissuasion. Oui. En vrai, je crois que tous les Pokémon qui sont. Enfin, tous les Pokémon qui sont dans mon équipe ont un counter dans l'équipe. Ah bon? Ouais. Attends. C'est ça, se fait counter par Aled. Brutas se fait counter par Lapinou. Aled se fait counter par Lapinou et Donatello. Plus Lapinou quand même. Lapinou se fait counter par Donatello. Joker se fait counter par Lapinou. Et Donatello se fait counter par Aled. Et Lapinou. Et c'est ça. Et Brutas.
Donatello se fait counter par tout le monde en fait. Non, il y a Joker qui le counter pas. Bah, tête de fer. Ouais, non, mais ouais, je veux dire, c'est pas super efficace. Ouais. Bah, il va quand même finir par taper plus fort, quoi. Je sais pas. Je sais pas s'il tape plus fort. Bon, allez, à toi, on a combien de tournées qu'autant hein? On est à 682. Moi je dirais 620. Putain, t'es encore plus proche. Enfin, t'es plus proche, mais te la pète pas. T'es plus proche à quoi? À 4 près? Donc ta gueule, hein. Ouais, 4 près, ça me va, hein. Bla bla bla. Bon, par contre, le prochain, c'est un shiny. Obligatoirement. Ciao. Je suis pas sûr que ça marche comme ça. Regarde la preuve. Celui-ci est shiny. Et là, je dis rien. Non, mais il est. Mais c'est juste que j'étais tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de voir. Oh oui, tellement vite. Ah, ta gueule, hein. Tu fermes ta gueule, toi. T'as failli te faire taper par le... Si que ça tombe, oui. Non, mais de toute façon, tout le monde le sait, les Zigzatons sont des grandes brutes épaisses. Des brutasses? Ouais, c'est vrai, ça c'est des brutasses. Peut-être pour ça que j'ai appelé comme ça un Pokémon, je crois que c'est un lien. Peut-être. Moi je dis que je tombe sur le Shiny dans moins de 5 rencontres. Enfin 5 rencontres ou moins. Mais si je parie contre toi, tu vas râler. Oui. Genre si moi je dis que tu l'as pas avant demain, tu vas râler. Ah mais de toute façon je l'aurais avant. Dans tous les cas je l'aurais avant. Parce que ce stream ne se termine pas tant que je l'ai pas. Il peut pas y avoir deux streams d'affilée sans shiny. C'est pas possible. Pourquoi tu rigoles? Non, pour rien. Après, tu sais ce qui serait rigolo? C'est qu'on tombe sur un shiny, mais qui est... enfin, un autre Pokémon shiny. Effectivement, ce serait rigolo. Donc, ça fait deux. Faire un changement d'équipier. On va en mettre un qui fait moins peur quand il renifle les autres. Hein. Qui fait moins peur quand il les renifle, mais oui. Ça fait toujours peur quand il les renifle. Non, parce que si Brutas renifle, c'est normal, c'est un putain de furet, et un furet, ça renifle. Ouais, dit comme ça. 3. En plus, t'étais là quand j'ai capturé le canard artichaut. Ouais. T'étais là quand j'ai capturé le charbi ou pas? Ouais. Ok. Donc faut que tu sois là quand je capture le tour du coton. Je vais y aller, moi. Ah, c'est celui-là, Shani, regarde. C'est le cinquième. Yes.
Il était shiny hein, dans mon cœur aussi. Hein. Ouais, mais dans ton cœur, ça marche pas. C'est sur l'écran qu'il faut qu'il soit shiny. Oh ouais, non, mais ça, on me l'avait pas précisé aussi. À ton avis, donc du coup, le shiny, on l'a dans combien de rencontres? Et dis pas dans 2000 rencontres, évidemment, quand on tombera sur un shiny avant, mais. Sois joueur un peu. 38. Ok. Donc, je te laisse compter jusqu'à 38. J'ai la flemme. Je dis 3. 3,8. Donc, entre 3 et 4. Okay. Donc, ça fait 1. Non, parce que je fais la tour combat en même temps, moi. Est-ce que t'as vraiment besoin de te focus dessus dans la mesure où t'as tes légendaires qui one-shot tout? One-shot pas tout. Ouais, bien sûr. Mais pas Zacian, moi. Bah, au pire des cas, t'as qu'à te faire un Pokémon style derrière le macho, il paraît qu'il tape bien. Non, Rimacho, c'est une spécialité de ta version. Et alors? Et alors, non. Bah si tu veux, je te l'envoie. Hein. Enfin, je t'en envoie un. Hein. Dans le marron. Si tu veux, je t'envoie le 5 IV, là, qui est vraiment pas mal. Je sais pas, on verra. Si je suis sage, c'est ça? Si je suis sage, je dois t'envoyer un Pokémon, c'est ça? C'était le deuxième, au fait. Et voici le troisième. Il a pas l'air shiny. Hein. Non, mais il y a le quatrième aussi. Non, 3,8. Moi, j'arrondis à l'inférieur, donc 3. Après, si le shiny. Si là, c'est le shiny et qu'il lui manque une patte, je suis d'accord. Mais non, tu vois, il lui manque pas une patte. Et il est pas shiny. Si tu lui coupes la tête, il est shiny et ça compte dans les 3,8. Ouais, non. Ça marche pas comme ça. Mais t'es vachement sanglant comme garçon quand même. Hein. Mais c'est pas sanglant, c'est une plante. Bah et alors? Ça saigne une plante. Fais gaffe, je vais me transformer en vegan. Hein. Bah, si les plantes ça saigne, tu manges quoi en fait? L'amour et l'eau fraîche. Ça fait pas grand chose à manger. On est d'accord. Ah, mais un trailer apparemment pour le Ronflex Gigamax. Ah bon? Ouais. Ah, il est shiny celui-là! Regarde! Je vois pas. Ah. Attends, je te montre. Ah non, j'ai mis ce clic, j'ai tué par accident! Oh bah non! Je le vois encore, hein. Non. Ah, il est mort! Oh mince, j'ai tué le shiny par accident, ça tourne mal. En vrai, ça aurait été rigolo que le coup Pix là soit shiny. Ça aurait été rigolo, mais bon, ça. C'est. Il y avait peu de chances que ça. Je crois que Roro est en train de farmer les métamorphes. Ah, alors, tu ressens pas trop à un tournicoton. Et en plus, toi, je te veux pas en shiny parce qu'il me semble que tu es horrible en shiny. Après, c'est clair que je pourrais fuir les combats, ce serait beaucoup plus rapide, mais
Mais j'aimerais bien garder le compteur et j'ai clairement la flemme d'appuyer sur une touche chaque fois que je fuis un combat. Là j'ai juste à bourrer un combat débile, j'ai pas besoin de réfléchir. Enfin, je préfère quand même infiniment plus la chasse sur, sur la Digo. C'est beaucoup plus fun. Je sais pas, je l'ai jamais fait sur Let's Go. Bah, tu, enfin, tu verras du coup, parce que je présume que tu vas évidemment piquer le jeu à dessous. Enfin, c'est beaucoup. Enfin. Pas dire que c'est beaucoup plus facile, mais c'est quand même horriblement dur sur certains Pokémon. Mais il n'empêche, c'est moins chiant, ça par contre c'est clair. Alors, en gros, ce qui se passe, c'est que quand, une fois que tu as fait donc, ta chaîne, donc, une fois que ta chaîne est faite, en gros, tu restes juste à, enfin, tu poses ta manette et tu peux genre, regarder une vidéo ou faire des trucs en attendant que tu aies ton shiny qui spawn. Parce qu'il va, enfin, tu le sais, il va spawner à partir de ce moment-là. Alors que là, tu es obligé de lancer chaque combat pour vérifier, c'est relou. Ah ouais. Puis même pendant la chasse, en fait, tu gagnes des trucs, tu gagnes des bonbons, et les bonbons sont cool. Parce que du coup, les bonbons te donnent des points de stats. Pour te donner une idée, un Pokémon level 1 full bonbon a autant de stats qu'un Pokémon level 100. Ah. Donc c'est cool. Effectivement. Mais du coup, il gagne plus de stats quand il monte de level. Ah si? Mais sûr que si. Ah donc quand il est level 100, il a beaucoup de stats alors. Ah ouais, beaucoup beaucoup de stats. Et c'est pas comme les EV, hein. D'ailleurs, il n'y a pas les EV dans Let's Go. C'est pas comme les EV du coup qui sont limités à faire 252 dans deux stats plus que 4 dans une autre. Là, c'est limité à démerde-toi. Là, c'est limité à bah en fait c'est tout, enfin tout, enfin un moment c'est capé, point barre. À un moment, c'est capé. Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment tu peux plus augmenter une stat, mais genre tu peux augmenter les autres. C'est comme si tu pouvais mettre 252 EV dans toutes les stats, sauf que c'est carrément plus, mais C'est sympa. ouais, c'est cool. Et à la question, est-il possible de faire la ligue avec un Shiny Point level 1, je te répondrai oui. Tu l'as fait? Non, il y en a qui l'ont fait pour moi. On appelle ça des youtubeurs et ils ont tendance à tester des trucs un peu débiles pour leur communauté. Et on apprécie ces gens-là, qui sont prêts à se sacrifier pour le spectacle. Non, Ah, il y a parce des streamers aussi qui le font. il y a des. Les streamers aussi font des trucs comme ça. Ah ouais? Ah bah ils doivent bien s'emmerder, hein. Oh putain, le coup de barre. Ouais, pareil. Enfin, je te l'avais dit en plus, j'étais déjà fatigué avant de lancer le stream. Putain de lasagne. Ah, les lasagnes à midi, ça rigole pas. Hein. Ça endort. Bah ouais, bah après t'as ton corps qui est en PLS en mode ah faut digérer. Repousse-toi, économise ton énergie, dépêche-toi, je dois digérer. Ouais, il va sortir ce foutu tornicoton.
Allez, moi je dirais 690. 717. Ouais, c'était 185 au cas où t'aurais pas vu. Si, j'ai vu. Fatigue se fait ressentir, monsieur Kiki. Au bout de 2 heures Oui. de stream, nous ne sommes plus les mêmes hommes. Au bout de 2 heures Ça de se stream, nous ne sommes claqués. Ouais. On fait quoi? On arrive à 700 et on s'arrête là pour aujourd'hui? Ouais. Ok. La suite aussi, elle veut dire stop. Ah, Yatsu qui joue. Incroyable. Non, la Switch. Ouais. Ah. Non, mais y a tout qui joue là. Ah d'accord. Ah, tu l'as vu en haut à gauche. Oui, c'est apparu. Bon, c'est pas apparu parce que je suis pas connecté, je crois. Ah bah bravo, ça veut même pas jouer avec ses potes. C'est pas ma faute. C'est pas de la mienne. Si. Bah non. Ah, Tsu a capturé un métamorphe. Ah, j'ai jeté tout. Il a pas encore fini le jeu aussi. Non. Hier, il m'a dit qu'il était au 8ème badge. Ok. Je crois qu'il joue au boulot. Non. Tu sais que Cully joue au boulot. Sans déconner, bosser à la SNCF, c'est tellement une putain de planque. Oh yes. Il a une ceinture force, je l'ai brûlé. Il en est content, mais quel monstre! Du coup, je viens de prendre une attaque, mais il va mourir quand même. Oui, et puis surtout, brûlé, divisé par deux, quoi. Une attaque spéciale. Ah, pas de bol! Et du coup, c'est toujours Tara que tu croises? Oui. Ok. Il y a un Zigzaton qui a tenté de m'intercepter, je l'ai vu. Tu l'as esquivé? Évidemment. T'es à combien là? Je suis pas à 700. Tu connais le chat de Schrödinger? Non, on fait pas le chat de Schrödinger. Bah, si, on le fait. Non. Si. Il y a la Switch qui a déclaré forfait. Ah merde, sans déconner. Elle est à 17%, donc je suis obligé de la recharger. Obligé de la recharger à 17%, c'est quoi cette Switch en carton pâte? Bah, c'est quand elle arrive à 17% que je la recharge. Ah, d'accord.
Moi, en principe, j'attends qu'elle soit à 5%. C'est au moment où elle dit je vais m'éteindre si tu me recharges pas là, par contre. Ok, ok. Non, moi, quand elle dit batterie faible, je la recharge. Mais batterie faible, c'est pas de 7%, c'est à 20. Chez moi, c'est à 17. Doute. C'est une config différente. Pour moi, je crois que ton Nicoton, c'est le shiny sur lequel j'ai passé le plus de temps. Ah, c'est pas l'autre? Bah, en soi, Charby, vu que je fuyais les combats, ça allait beaucoup plus vite. Parce que j'avais pas, donc, du coup, l'animation de hit et j'avais pas l'XP à la fin du combat. J'avais juste le. Bah, tu t'es barré du combat, quoi. Je finis le pépé de Larsin et puis on s'arrête. Ok. Ok. Ah, il a une aura. Mais il est pas shady. Mais t'as dit que tu finissais les PP de Larsin? Oui. Pourquoi tu fais close combat? Ah mince, j'ai misclic, excuse-moi. Désolé, ça arrive. Ah, ça t'est jamais arrivé de misclic peut-être? Ouais, mais fais pas le mythe. Ah merde. Deux fois de suite. C'est pas vrai, c'est pas la deuxième fois de suite. C'est au moins la cinquième fois. Non, la troisième. Ah, il y a Robin qui a posté à Wailord de Dynamax. Enfin, Robin. T'as vu, j'ai pas mis ce clic. Ouais. T'es fier de moi? Tu t'en bats les couilles. Non, je suis fier de toi. C'est vrai? Ouais. Trop bien. Bon, je finis les pépés de close combat quand même, parce que bon, là du coup il y en a plus que deux et ce serait dommage de gâcher. On live depuis quelle heure? Tu plaisantes? Y a le timecode juste là, Kiki. Ouais, mais c'est en rouge, c'est en tout petit. Bah, moi j'arrive à bien voir. Hein. Oui, mais moi c'est sur l'écran de ma télé, je vois pas. Je vois pas sur l'écran énorme de ma télé, désolé. Pardon. On a 2h10 et 45 secondes. Ok. Justement, comme la télé est grande, les écritures sont toutes petites. Voilà. Ça fait sens dans ce que je vois. D'accord. Tu veux. Merde, y'a plus de close combat. Non, ça va être la fin. Non. C'est entièrement de la faute de Kiki. C'est parce que je l'ai dit que tu l'aurais gagné demain. Bah, ouais. 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 Ouais.
Ouais, tu peux réouvrir ta gueule, s'il te plaît? T'as quoi à dire? Hein? Je l'aurai quand? Je l'aurai quand? C'est moi ou il a fait des carrés? Et alors, t'as quoi contre les carrés maintenant? Et voilà, maintenant il est raciste des carrés en plus. Autant que le shiny, il m'engueule pour des carrés. Bah c'est pas le shiny du coup, si c'est l'ultra shiny, c'est pas le shiny. Hein. Ah, parce que l'ultra shiny fait des carrés? Je sais pas, si j'avais bien compris, ouais, c'était ça. Mais ça se trouve, je me plante. Hein. Putain, il est stylé en vrai. Ouais. Bah que demain, hein. Ouais. Eh, on aurait pu espérer deux shiny de suite, hein. Je te l'avais dit que t'allais tomber que dessus que demain. Justement, je t'ai donné raison. Ouais. Ah oui. Cette chatte incroyable. Je vais m'assurer qu'il est bien. Ah, Tsu a eu un Fiali. Oh oui, déjà se sauvegarder. Mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je vais vérifier qu'il soit bien dans la bonne boîte. Il l'est pas. Ah putain, il a des IV bons. De fuck. Ouais, ça va. Que le strat. Et du coup, la prochaine cible, ce sera Minisange. Et ça, c'est cool, par contre, parce que lui, je trouve le strat. Minisange, évidemment, qu'on va trouver ici. Et du coup, je vais aller au centre Pokémon avant. Bon, bah écoute, je présume que c'est là qu'on arrête le stream. Ou alors, allez, on commence les Minisange. Est-ce que tu me détestes? Oui, je te déteste, on arrête là. D'accord, on s'arrête là. Attends, je regarde juste si par hasard je voulais pas attraper le Pokérus histoire de faire un banco. Non, pas de Pokérus. Ok, à plus. Ben merci à vous d'avoir suivi ce stream, merci Kiki de m'avoir accompagné pour ce magnifique tour d'Ico. Et puis à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.